Bonsoir la cigale. Je vous ai dit que ma vie était nulle, vous me croyez pas? En plus, j'avoue, hein, moi aussi, je me suis mis sur Facebook. Je me suis mis sur Facebook et j'accepte tout le monde. Tout le monde, sauf les gens qui se prennent en photo comme ça. Parce que quand t'as même pas une personne pour te prendre en photo, ça veut vraiment dire que t'as pas d'amis. Alors fous-moi la paix, j'ai ce problème comme ça. Nous, il faut le dire, notre génération, on est de la merde. On est de la grosse merde, je te jure. On casse pour un oui ou un non, quoi. C'est du genre, quoi? Il n'y a plus de Nutella? C'est fini. Qu'est-ce que Dieu fasse avec la confiture? C'est bien, bouffe ton Nutella, Inch'Allah, tu t'étouffes avec. J'avoue, en plus, en ce moment, j'ai une petite tendresse, une petite faiblesse pour les blondes. Je les trouve très belles, très, très exotiques. Ouais, je sais, c'est con de dire ça. Hein. C'est ce que j'ai entendu me concernant toute ma vie. Hein. Thomas, elle est exotique. Quoi? J'ai une noix de coco dans le cul? Qu'est-ce que c'est là? Non, j'ai beaucoup de respect pour les gentils, en plus. Puis c'est grâce à eux qu'on a eu Harry Roselmack, quoi. Et je vous jure, l'année dernière, pendant la période des grèves aux Antilles, j'ai eu trop peur qu'ils partent en couille pendant le 20h de TF1. Je vous jure, t'étais... Libère la Guadeloupe! Oui, je vous ai menti, c'est ma vraie voix depuis 5 ans, oui! Oui! Libérez la Guadeloupe! Lâchez-moi! Il est pertinent, vraiment, il pique et il amène dans son univers. C'est extraordinaire. Il est bon. Hein.